Vous me regardez les amis, regardez, regardez-moi, et tu me regardes, vous me regardez tous, regardez ça, regardez-moi tous, attention, 3, 2, 1... Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GP, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Alors comme vous le savez, je suis le maître du badass, le dieu de la TNT. Et savez-vous quel est le plus grand nombre de TNT explosés en une fois dans Minecraft? D'après le site officiel Record Seater qui enregistre les records du monde faits dans Minecraft, les records du monde legit, hein, pas les mecs qui se filment sur YouTube et on sait pas trop si c'est legit ou pas. Le record du monde de TNT explosé est... Eh ben d'après vous, c'est combien? 100 000, 200 000, 1 million? Eh bien non les amis, le record du monde est de 2 millions de TNT explosés en même temps. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'était pas possible. Je dois faire mieux que ça. Après tout, ne suis-je pas le maître de la TNT? Eh bien du coup, c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui les amis. Je vous propose de battre le record du monde et d'exploser non pas un, non pas deux, mais 3 millions de TNT pour battre le record du monde et me faire une petite avance confortable. C'est parti! Et juste avant de commencer, si ce n'est pas déjà le cas, eh bien n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je sors des vidéos tous les jours, donc tu es le bienvenu. Et en plus, ça prend 2 secondes. Et je compte sur toi pour lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo si ce concept te plaît. Alors comment vais-je faire pour placer ces 3 millions de TNT, me direz-vous? Eh bien, le calcul le plus simple qui se rapproche le plus des 3 millions, c'est du 145 blocs par 145 blocs par 145 blocs. Ce qui fera un total de 3 millions 48 625 TNT. Donc maintenant, les amis, eh bien, c'est très simple. On va s'aider de notre ami World Edit. Je vais le faire au-dessus de l'océan, parce que comme ça, voilà, je sais que j'aurai à peu près la place de faire 145 blocs. Je prends mon petit bloc de TNT, et sur ce, c'est parti pour faire la première phase du cube de 2 millions de TNT. Donc, 1, 2... Voilà donc le premier, enfin la première arrêt de notre cube. Oh mon dieu, ah oui, c'est beaucoup plus gros que ce que j'imaginais. Maintenant, on est parti pour l'autre face. Voilà, ça fait 145 blocs et maintenant il n'y a plus qu'à monter 245 blocs. Et voilà les amis, je suis monté 245 blocs, donc ça fait 215, mais du coup, hop, il faut quand même placer le petit bloc qui est donc à 215 d'altitude. Regardez-moi ça les amis, c'est gigantesque, je croyais même que, je savais même pas que ça allait être possible de monter aussi haut, j'avais un peu peur. Mais bref, maintenant regardez ça, grâce à la magie de World Edit, je fais un premier clic ici, et après je n'ai plus qu'à aller tout au fond, et alors là les amis... Oh, le plus gros bloc de TNT au monde, plus de 3 millions de blocs de TNT vont être explosés en même temps, c'est un record du monde et je serai officiellement reconnu par le monde entier, le dieu de la TNT. Regardez ça les amis, je fais un deuxième clic ici et attention, regardez ça, slash slash 7, TNT, attention les amis, là ça va laguer, ah là 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 là, là ça va laguer, très vénère. Là, regardez ça, 3 015 446 76 blocs affectés. Ah bah alors ça fait encore plus de blocs que ce que je pensais. Regardez ça, 3 154 476 blocs affectés. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de blocs affectés? Bon bref, en tout cas, regardez-moi ça, c'est absolument majestueux. Oh là, ça mérite un screen quand même. Hein. Regardez-moi ça les amis, c'est de toute beauté. Je me proclame le maître du badass et le dieu de la TNT depuis assez longtemps. Maintenant, il faut un peu prouver au monde entier que je suis vraiment celui que je dis être. Le record actuel est de 2 millions de TNT, les amis. Est-ce que vous êtes prêts à battre ce record du monde en passant de 2 millions de TNT à 3 millions, combien ? 3 154 476 TNT. Attention, les amis. Monsieur Mouton, s'il te plaît. Sois avec moi pour ce moment, s'il te plaît, Monsieur Mouton, parce que là, j'ai vraiment besoin de soutien. Allez, vous me regardez, les amis ? Regardez-moi. Et tu me regardes. Vous me regardez tous ? Regardez ça, regardez-moi tous. Attention. 3, 2... boum, c'est parti, allez, on se casse vite maintenant, on se casse parce que c'est parti pour à peu près, je pense, 2 bonnes heures de lag, regardez ça, 3 millions de TNT qui explosent en même temps, regardez ça les amis, regardez ça, oh my god, je m'éloigne le plus possible,
je m'éloigne le plus possible parce que là ça va vraiment être vraiment mais genre parti pour une bonne heure de lag vraiment je pense. Donc là voilà, à partir de là les amis, voilà, je m'éloigne un petit peu mais assez pour qu'on puisse voir. Et à partir de là, eh ben, je vais laisser la vidéo tourner et puis voilà, quand je reviendrai, quand ça se sera calmé quoi, c'est tout. Allez, à tout à l'heure. 2000 years later. Oh my god, regardez ça les amis, l'explosion est quasiment terminée, le bloc a quasiment fini d'exploser, je vous montre les résultats à la fin. Mais regardez ça les amis, regardez ça, l'explosion a tellement été puissante que ça a carrément explosé l'eau. L'eau a explosé, regardez ça, regardez ça. Oh mon dieu, ça y est, les lags reprennent, c'est horrible, ça a lagué. Ça, il est quelle heure? Il est 15h16, j'ai commencé l'expérience à peu près 15h30, et regardez ça, ça explose tellement fort que même les blocs d'eau ont explosé. Je crois que c'est la première fois au monde qu'il y a un truc comme ça qui arrive, des blocs d'eau qui ont explosé à tel point qu'il y a un trou dans l'eau. Regardez ça, j'ai créé une caverne avec l'eau. Bon allez, on se retrouve tout de suite à la fin de l'explosion. 6 and a half hours later. Ok les amis, je crois qu'on arrive à la fin. Je viens tout de suite de rentrer dans mon bureau, je vais fermer la porte. Regardez ça les amis, je crois que ça y est, c'est bon. On arrive à la fin. Toutes les TNT ont l'air d'avoir explosé. Alors après, il faut juste savoir quand est-ce... Oh bah c'est bon. Non. Ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini les amis. Oh bah donc, alors là, j'ai repris le tournage pile poil au bon moment. Je pensais que j'allais encore faire une petite ellipse le temps que ça se remette en place. Oh my god. Regardez-moi ça, ça y est. Tout a explosé. Est-ce que les Game Mode 3 existent? Non, il n'existe pas encore à cette époque. Mais oh my god, regardez ça. Oh bah si, d'accord, il y a encore des TNT qui volent partout, tu sais pas d'où ça vient. Mais regardez ça les amis, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, frère. Il y a des blocs d'eau buggés. Il y a des blocs d'eau qui ont explosé. Regardez ça. Ça continue d'exploser en bas. C'est un truc de ouf. Ça a complètement fait... Oh la vache. De la lave. Ok. J'ai trouvé une source de lave, les amis. Regardez ça. J'ai utilisé X-Ray. Pourquoi utiliser X-Ray lorsqu'on peut utiliser la TNT? Oh my god, les amis. Regardez-moi ça. Ce paysage de désolation. Alors attendez, je vais essayer du coup de remonter un petit peu la distance de rendu pour voir un petit peu ce que ça donne. Essayer d'avoir une vue la plus globale possible, même si ça continue d'exploser, et je pense que ça va exploser pendant encore pas mal de temps. Le fait de l'avoir fait au-dessus de l'eau, clairement, c'est ce qui m'a sauvé, je pense, hein, parce que sinon mon ordinateur n'aurait jamais tenu. Et là, le fait que ça soit dans l'eau, et donc que la plupart, pour ne pas dire 90, voire 95% des explosions, aient été amorties, là, clairement, c'est vrai que ça a fait la diff. Oh my god, regardez-moi ça, ce paysage de désolation. Regardez ça, tout explose autour. Mais au final, ça va quand même. Je m'attendais à des dégâts beaucoup plus importants, mais au final, le fait que ça soit au-dessus de l'eau, et bien quand même, il y a des. Faut dire quand même qu'il y a des TNT qui ont été projetés jusqu'ici pendant, mais au moins, attends, il est quelle heure? Il est 15h47, les amis, 15h47, sachant que j'ai commencé le record, je sais plus quelle heure il était. Si je regarde vite fait, normalement, j'ai un horaire qui devrait s'indiquer sur la piste. 14h03, ça a mis 1h44 à exploser entièrement. 3 millions de blocs de TNT au-dessus de l'eau. Voilà ce que ça fait, un paysage complètement buggé, des blocs d'eau, mais alors là, ils savent plus donner de la tête, c'est un truc de ouf. On a l'impression d'être sur la map mode un petit peu, vous savez. Regardez-moi ça, c'est absolument n'importe quoi. Voilà ce que ça fait. 3 48 625 blocs de TNT, enfin, d'après moi. Regardez ça. Non seulement il y a de l'eau qui sort de terre, tu ne sais pas d'où, mais il y a aussi des trous d'eau, voilà, des trous d'eau, enfin, des trous d'air qui se forment comme ça en plein milieu de l'eau. C'est n'importe quoi, c'est génial. Ça me fait trop plaisir, je suis officiellement le dieu de la TNT, le maître du badass qui maîtrise l'eau et la TNT mieux que personne. J'ai battu le record du monde. Dès que voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'ai battu officiellement le record du monde du plus gros nombre de TNT explosés en même temps, en une seule fois. 3 48 625 TNT. Je compte sur toi pour lâcher un gros pouce bleu pour me féliciter et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère vraiment que cette petite vidéo t'a plu. Voilà, je suis officiellement le maître du badass. Si ce genre de vidéo te plaît, surtout n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu as envie que j'essaie de battre un autre record du monde dans Minecraft, il y en a quelques-uns, il y en a une petite dizaine qui sont assez intéressants et que je pourrais peut-être essayer de battre. Mais ça, c'est seulement si vous êtes vraiment motivé et que je vois que la vidéo a plein de pouces bleus et que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment motivé dans les commentaires. J'en ai notamment vu un, le mec, il s'est lancé comme record du monde de tuer 100 moutons, 100 moutons, ni plus ni moins, 100 moutons, 100 moutons. Pardon, c'est dur à dire. 100 moutons le plus rapidement possible avec un système de redstone. Et moi, je suis sûr que je peux le battre. J'en suis sûr. Et sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, restez badass, souriez, soyez heureux. Et sur ce, high five!